Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Splix.io. Alors j'ai pris quelques décisions par rapport à tout ce qu'on me demande de balancer. Parce que oui, je fais pas les choses sur un coup de tête. Disons que ça m'est arrivé une fois et comme ça sentait le piège, j'ai reculé. Ce qui m'arrive très rarement dans la vie en général. Alors oui, j'ai pris quelques décisions qui vont, en tout cas je l'espère, changer les choses. Déjà, j'aurai potentiellement du retard sur le planning prévu. Donc, la pause qui... C'était pas la peine de t'exciter comme ça. La pause qui devait avoir lieu le 3 décembre 2024 a des chances d'être décalée. À moins que j'accélère les choses de jour en jour. Mais sinon... Mais sinon, je pense que je vais la décaler. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais dire toute la vérité suite à tout ce qui s'est passé. On me prend pour un coupable, je suis en réalité une victime, et je vais le démontrer, mais je ne le démontrerai pas tout de suite. Non. Je parlerai, et là je vous lance un défi, je parlerai aux millions d'abonnés. Vous m'avez bien entendu, le million d'abonnés sur les réseaux sociaux, et je prends la parole pour m'exprimer face à toute cette histoire. C'est pas du chantage, c'est pas de la manipulation, c'est une décision que j'ai prise de manière consciente pour éviter de perdre la face devant tout le monde, devant les gens, devant les abonnés, devant qui vous voulez. Voilà, même devant mes haters. De toute façon, réseaux sociaux ou pas, je sais que des haters, il y en a partout. Et je veux pas laisser gagner ces gens-là. Et généralement, je sais aussi que la haine commence souvent par un service rendu qui a mal tourné.
J'ai donc décidé de briser le silence à partir du million d'abonnés. Je dirais tout sans exception. Par contre, à partir de cette vidéo, je refuse que des personnes s'amusent. Aïe aïe aïe. Je refuse que des personnes s'amusent à impliquer mes proches dans cette histoire. Ces personnes, je les citerai pas. Elles se reconnaîtront. Elles se reconnaîtront. Quand je dis je parle aux millions d'abonnés sur les réseaux, je parle bien sûr dans le sens large du terme, vous aurez bien compris. Et le truc à faire, c'est que le truc à faire, c'est que c'est... Pardon. Je vous disais la chose à faire, c'est que pour le moment je continue tout ce que j'ai prévu. Par contre, oui, il y a une autre décision qui... J'ai dû vous en parler, je pense. Il y a une autre décision qui est... qui a été prise. C'est d'arrêter les lives pendant que... Tant que cette histoire n'est pas résolue, il y en a qui font mumuse avec leur... avec leur téléphone, leurs ordinateurs, je sais pas quoi, pour essayer de venir en commentaire et... essayer de démolir qui je suis, essayer de donner de fausses informations, bien sûr.
Arrêter les lives, faire une pause qui va me permettre de me recentrer sur moi-même. Quand je parle de me recentrer sur moi-même, je pense à un commentaire que Colette avait laissé où elle me disait que j'avais changé. Au final, tu as peut-être raison. Changer en ce sens où j'ai... J'avais pas à laisser entrer dans ma vie et sur mes réseaux des gens qui ne le méritaient pas. Malheureusement, moi et ma bonté légendaire, j'ai tendance à vouloir aider tout le monde. Et comme le disent certaines personnes sur les réseaux, tu peux pas sauver tout le monde. C'est la sinistre vérité. Dès que je commence à faire le tour d'un d'entre eux, il s'éclate la tête contre un mur. J'ai donc analysé la situation de manière simple et efficace. D'où la décision. En fait, cette décision, je vous en parle aujourd'hui, mais elle a été prise hier. Et je suis assez content d'avoir pris cette décision parce que... Parce que oui, double flûte, excusez-moi. Je vous disais, ces engagements, cette décision, je les ai prises parce qu'il fallait les prendre, mais aussi et surtout parce que je sens qu'on s'attaque à mon noyau en plus de s'attaquer à moi. Et j'aime pas du tout ce genre de situation, surtout quand je l'ai pas provoqué. J'ai mes habitudes sur les réseaux sociaux, dans la vie. Et ces habitudes, j'entends bien les conserver. C'est quoi cette merde? Je disais oui, ces habitudes sur les réseaux et dans la vie, j'entends bien les conserver de manière à...
Ça va être compliqué. Ah! Oh! Il y en a un autre qui arrive. Salopard, il m'a piégé. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, mais raisonnablement, soyez sages et gardez le sourire quoi qu'il arrive. Salut tout le monde.